Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose ce méga menu que vous pouvez installer donc sur votre site. Voilà. Et c'est assez sympa. Vous pouvez mettre une image qui correspondrait à une section ou à un produit. Bon, ben, les liens correspondants. Voilà. J'ai testé sur différents navigateurs. Hein. Bon, ici, nous sommes sur Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari. Ben, ça marchera très bien. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il est réalisé avec jQuery et du CSS, bien sûr. Alors, il ne va pas être, je ne vais pas trop développer, hein, car vous vous en doutez, ben, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Donc, avec les sources que vous trouverez donc à la suite de la vidéo, à télécharger, bon, ben, et les quelques explications que je vais vous apporter concernant les sources, vous devriez vous y retrouver, je pense, hein. Bon. Donc, alors voilà ce que j'ai installé sur une page de démo que vous connaissez. Mes démos sont faites sur ce design. Hein. Ici, voilà la démo que propose dans l'archive donc l'auteur, avec un menu donc réglé à 100%. Ici, que j'ai réduit à 95%, je pense. Ben, c'est en fonction, bien sûr, de la configuration de ma démo ici et vous de votre site. Bon. À la fin du tutoriel, je vous parlerai d'une autre archive à télécharger, mais je ne vais pas rentrer dans les détails car ce serait beaucoup trop long. Vous aurez donc la possibilité de configurer comme vous le souhaitez, donc là de manière avancée, ce menu, donc en ce qui concerne les couleurs, les effets aussi, qui sont différents, avec du fade, du fondu enchaîné. Bon, là on raisonne jQuery. Bien. Donc, nous irons là sur le site de l'auteur à la fin du tutoriel. Donc j'en reviens à ce que je vous propose. Alors ici, bon, l'auteur du menu propose donc en .html. Donc en HTML, oui, mais bien sûr, maintenant on raisonne PHP. Alors ici, donc j'ai fait ma démo en .php. Voilà, on va aller faire un petit tour sur les sources. Voilà. Alors ici, voici le menu proposé donc par l'auteur. Hein. Donc bon, il y a son doctype ici. Ben, vous verrez tout ça dans le lorsque vous l'aurez téléchargé et édité. Hein. Bon, ici nous avons donc un lien l'API Google hein, pour la version donc en 1.4.2 jQuery Mint hein, bien sûr. Hein. Et ensuite dans le répertoire vous trouverez ce fichier jQuery et puis celui-ci. Voilà. Alors ici on en reparlera tout à l'heure. Ça concerne donc toujours dans le header. Hein, ça concerne comment je veux dire, le menu que je viens de vous montrer sur ma page de démo et celle de l'auteur. Bon, c'est ici qu'il faudra, mais on reviendra dessus tout à l'heure, faire des modifications, ainsi que pour la feuille de style ici, hein, si vous voulez mettre un menu d'une autre couleur, enfin, selon le mode avancé que je vous proposerai à la fin du tutoriel. Bien. Alors, bon, là, rien de spécial. Nous avons donc dans le body, à partir donc comment je veux dire, du div principal, du bloc principal, eh bien, tout le menu hein, qui s'affiche. Bon, là, on a une Citroën, ces petites images que vous avez vues, hein, etc. Bon, là, je vous laisse regarder tranquillement chez vous. Voilà. Et puis, ma foi, c'est tout, hein. Il n'y a pas grand-chose de plus ici à dire. Bon, le CSS de ce menu, donc ici, il s'agit donc du menu. Ici, j'ai fait menu 2, hein. Cela concerne ma page de démo, hein, celle-ci. Hein. Bon. Pour la simple et bonne raison que, bon, je ne vais pas quand je veux dire développer tout le CSS, là, on n'en finirait pas. Je vous laisse regarder ça. Bon, alors déjà, ici, alors, voilà, ici, donc, c'est configuré à 100%. C'est ce que je vous avais montré. Voilà.
Bah, on va revenir, on va l'en mettre. Voilà, 100%. Hein. Bon. Ici à 95. Alors, on va faire juste un petit essai tant qu'on est dessus. Voilà. Alors là, je vais le mettre à bah, 95. Voilà. Voilà, hein, j'ai ramené à 95%. C'est ce qui explique la raison pour laquelle j'ai fait la raison pour laquelle voilà, je vais remettre à 100%. J'ai fait une deuxième feuille de style. Voilà. Bon, alors donc vous avez là forcément, je reviens quand même un peu dessus, hein, le lien des images correspondantes. Hein. Que je m'y retrouve. Voilà. Là, par exemple, les petites voitures. Bon, ben, vous avez un coupé. Là, vous avez un pick-up, un background sport. Enfin, voilà. Bon, vous regardez tout ça, hein, dans le détail. Enfin, c'est pas plus compliqué. C'est simplement le CSS et jQuery qui nous permet de d'obtenir ce résultat. Hein. Bon, alors voilà. Maintenant, j'ai créé une. Là, nous avons donc le menu. Hein. Bon, il aurait pu mettre index, hein, c'est pas grave. Moi, j'ai mis démo et j'ai donc créé un nouveau fichier dans lequel j'ai copié-collé toute la partie, donc je vous ai montré tout à l'heure, du menu. Hein. Et dans la démo. Bah, j'ai rajouté donc dans les headers, hein, eh bien, le CSS, alors c'est très important ici, le script correspondant JavaScript, hein, voilà, et ici tout simplement j'ai fait une include, donc j'ai inclus donc le menu PHP .php ici que je viens de vous montrer, c'est tout. Alors, ici, donc j'ai mis à 95%. Bon, si je mets à 100%, voilà. Ah, pardon. Voilà. Hein. Donc, je vais le remettre à 95%. Alors, c'est vous qui voyez hein, en fonction de. Voilà, il est remis à 95%. Bon, son ajustement, bah, ma foi, est très très simple. Hein. Donc, ici, je. Oui, alors ici, je suis dans la feuille de style. Démo, voilà. Bon, afin de décoller du haut de ma page. Et du corps de la page, ici, voyez-vous, vous avez un autre bloc de ma page de démo. Donc, qui est, pour le corps de la page, hein, j'ai mis un BR là et un BR là, puis c'est tout. Hein. Bon, ce qui fait que, eh bien, nous avons cet espace et cet espace ici. Bon, sans faire en particulier d'ajustement CSS. Hein. Bon, oui, je vous dis ça parce que selon les CSS, selon les codeurs, parfois il faut positionner. Hein, donc il faut revenir sur un bout de code. Tandis que là, non, hein, j'ai simplement décalé avec un BR au-dessus et un BR en dessous. Ce qui va vous faciliter donc la tâche. Bon. Maintenant, donc, j'ai fait ma page de démo. J'ai créé le menu. Donc avec uniquement le menu hein, que j'ai inclus donc, dans ma page de démo ici hein, et un CSS avec comment je veux dire 95% pour la largeur du menu. Bon, je ne vais pas tout revenir sur tout le reste, hein, c'est la même chose, hein, c'est tout. Bien, alors, dans l'archive concernant ce menu, bon là c'est déjà prêt, vous aurez donc. Alors, il s'agit de celui-là, hein, Custom Mega Menu Style. Donc, Custom Mega Menu Style, c'est cette archive-là. Alors,
Ici, vous avez vos images. Voilà. Ici, vous avez vos fichiers JS. Voilà. Ici, ma démo PHP. Donc, le CSS de la démo de l'auteur. Ici, menu 2, le mien. Hein. La démo de l'auteur. Et le menu que j'ai inclus donc dans ma démo. Voilà, ben là c'est très très simple. Maintenant, on va passer à une autre formule. Donc ce sera cette archive que vous trouverez donc à télécharger. Alors, voyons voir. Donc voilà. Alors, l'auteur propose différents styles. Voilà. Alors, je vais me remettre au début. Vous avez donc une feuille de style. Hein, ici, attendez, c'est gris là. Noir, je vais me mettre là, voilà, black, ici, donc, vous avez donc une feuille de style ici, et une modification dans le code JavaScript, hein, que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors, cela vaut pour tous les menus, toutes les configurations qu'il propose jusqu'au blanc ici, hein, voilà. Donc on revient sur l'éditeur et il s'agit donc, alors là évidemment c'est ce que je viens de vous montrer, c'est le script complet, hein. C'est ce qui explique que, alors le bout de code en question, tout à l'heure je vous ai montré, voilà, dans ma démo, je vous ai montré donc ce bout de code, donc qui va de là à là, et je vous ai dit on reviendra dessus tout à l'heure. Ici, en revanche, puisque tout est sur une seule page, pardon, nous avons donc tous ces bouts de code. Alors, ce sera à vous de faire le choix. Hein. Donc, soit vous collez entre, la balise d'ouverture script, hein, et la balise de fermeture, celle-ci, hein. Eh bien, vous ferez le choix donc du menu que vous souhaitez. Bon, par exemple, ici, nous avons, que je ne dise pas de bêtises. Alors, menu 1, menu 2, donc ça correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Menu 3, menu 3, menu 4, menu 5. Alors, vous regardez à quoi cela correspond. Bon, là, les réglages sont parfois différents, hein, mais ça, vous le verrez par vous-même. Alors, ce que vous faites, vous ne prenez que, bon, on va revenir au début, d'origine, mettons, hein, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, vous ne prenez que cette partie-là, hein, si vous choisissez celle-là, mettons menu 2, hein, que vous collez, donc, à la place, voilà, ici, donc, cette partie-là. Attention, ça vous le laissez, hein, sinon vous allez avoir un bug. Hein. Là, vous avez un crochet d'ouverture, et là, un crochet et une parenthèse de fermeture. Hein. Une accolade de fermeture. Bon. Donc, juste ça, et vous faites un copier-coller. Bon, il faut mettre la feuille de style, le lien vers la feuille de style, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, en admettant que ce soit celui ici. Eh ben, vous faites un copier, voilà, bon là c'est black, donc noir, gris, bleu, ici orange, que cela corresponde, voilà, bon. Donc on descend, maintenant c'est ici, voilà, donc là ben, vous faites le choix. Évidemment, sur la démo vous avez toutes les couleurs, hein, qui sont installées, hein. Donc ça va être assez simple. Alors ici, vous avez les feuilles de style correspondantes. Hein. Black, noir, gris, bleu, vert, bleu léger,
Donc orange, rouge et blanc. Ah donc vous, c'est ce que je vous ai montré, hein, vous faites un copier-coller, vous mettez dans le header, puis c'est tout. Alors ensuite, là, c'est pareil, hein, vous avez, alors là, c'est long parce que ça correspond donc à toutes les démos, hein. Alors, bon, là, c'est votre menu. Alors, pour celui que vous aurez choisi, hein, bah, vous faites la même chose que ce que j'ai fait, donc vous regarderez dans mon fichier, dans le fichier menu que je vous ai montré tout à l'heure, et ben vous recréez un fichier menu.php et vous collez le menu que vous souhaitez. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, ben, je crois. Et puis alors, bien sûr, vous faites une include afin d'inclure donc le menu de votre choix. Et ici, nous avons donc le CSS. Alors là, global pour tous les menus. Hein. C'est tout. Donc en fait, vous avez deux feuilles de style normalement. Vous n'allez pas mettre plusieurs menus sur la même page, hein, je pense pas. Bon, ben voilà. Alors ici, c'est vu. Maintenant, on va retourner dans les sources. Donc là, nous étions. Ah oui, alors donc tout à l'heure, nous parlions de ce menu, de cette archive, hein, c'est-à-dire celle-ci. Là, il s'agit de celle-là, la deuxième que je vais vous proposer. Hein. Donc, hop. Alors, ici, dans le CSS, vous avez donc ce que je viens de vous dire, le CSS global et skin, donc les peaux, les couleurs. Voilà. Et vous retrouvez donc noir, bleu, vert, gris, bleu léger, orange, rouge et blanc. Et ici, donc, les images correspondantes. Voilà. Avec le CSS, eh bien, c'est ce qui vous fait vous rend l'effet. Voilà. Donc, là c'est vu. Hop. Voilà. Et dans le JavaScript, donc, vous avez les trois fichiers donc, que vous retrouvez donc, à la source. Plus, bien sûr, l'API Google. Donc, voilà. Et ici, donc, l'index. Bon, là, je n'ai pas fait en PHP. Donc, normalement, vous devriez, eh bien, faire exactement ce que j'ai fait là. Vous créez donc un fichier démo. Attendez, là, je ne sais pas si je suis. Oui. Donc, on ne parle pas de la même chose. Voilà. Vous recréez donc un fichier pour faire votre démo, hein, bien sûr. Sinon, bah, vous faites le menu donc à inclure, hein. Alors, ce qui n'est pas dans l'archive, hein, ça je ne l'ai pas fait, bah, évidemment, étant donné que c'est à vous de choisir la couleur de votre choix. Le fichier CSS, enfin bon, bref, bah, le fichier à inclure et votre page de démo, donc vous n'avez qu'à reprendre la mienne de la première archive, et puis vous la nommez autrement, ça vous en fera une et vous pourrez faire vos essais. Voilà. Bon, bah, je pense là avoir été assez clair, malgré qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, on se rend sur le site de l'auteur. Bon, oui, parce que là, nous étions donc. Nous parlions de cela. Voilà. On se rend sur le site de l'auteur. Et ici, donc, vous avez les explications, mais en anglais. Hein, ça doit peut-être, ça va pas vous poser de problème avec mon tuto. En plus, bon, vous voyez, là, il explique. Voilà. Bon. Alors, chose intéressante, je referai un tutoriel. Là, je le dis en passant, là. Donc pour ceux qui fonctionnent avec WordPress, donc on a exactement la même chose ici. Hein. Donc vertical menu aussi, c'est possible. Alors ça, je ne sais pas si j'aurai le temps, je le ferai. Alors en accordéon, donc vertical. Bon, enfin, il y a quand même pas mal de choses. Alors je vais faire un choix, je verrai. Ou en fonction de ce que vous souhaitez, si vous n'arrivez pas à l'installer, parce que je vais vous mettre le site donc de l'auteur, vous pouvez faire vos essais vous-même. Bah à ce moment-là, dans les commentaires ou sur le forum, bah vous me dites ce que vous voulez, puis je ferai, parce que je ne les ferai pas tous, hein, forcément. Hein. Bon, voilà pour WordPress. Donc, pour WordPress, déjà pour commencer, je vous proposerai celui-là. Bon, ça, c'était en aparté. Bien. Bon, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour
donc de la question en ce qui concerne ce menu que j'ai installé moi de mon côté très facilement. Et je pense que ben, il vous rendra service. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt!